On y va, on est sur un tempo de 100, on démarre sur un La mineur. Et je vais vous montrer ce qu'on va analyser tout de suite sur les 8 premières mesures qui vont donner ça. Au niveau de la main droite, je ne vous donne pas vraiment d'indication parce que tout coule un petit peu de source au niveau du doigté. Mais bien évidemment, dans la mesure où on est dans une suite d'accords où les basses font partie de la mélodie, rien ne vous oblige systématiquement à jouer ces basses avec le pouce. Bien au contraire, là vous voyez sur le doigté que moi j'utilise, c'est pouce, pouce, et là je descends. Index majeur sur une basse, en fait, sur une note de basse, pour après réattaquer le pouce. Voilà, ce qui me permet évidemment de penser les basses comme faisant partie de la mélodie.